le temps d'avance, tu vas dire. Je répète que ça n'a aucune importance, et moi partir. Ton habitude, en fait, ça c'est une évidence, les rends pas là. Bonne attitude, je dis rarement ce que je pense, mais crois-le, c'est une certitude. Je pense toujours ce que je dis sans prendre en compte ta plénitude, au moins de mon côté c'est fait. J'aurais bel et bien essayé, quand pour toi c'est trop demandé. Ne serait-ce que de m'écouter, pour toi ce n'est qu'un monologue, t'as rien compris. C'est mon prologue, c'est de la communication, ça c'est beau et au chaos. Comment sinon, dis-moi, crois-tu qu'on puisse trouver des solutions? Pour moi c'est pas encore perdu, et je ne parle pas nos relations. J'ai bien compris que tu n'y crois plus, je regrette tant mes réactions, elles ont été catastrophiques. Tu te moques bien de mon avis, de mes larmes qui jaillissent aussi, sans arrêt de mes nerfs optiques, car pour toi mes révélations ne sont que pure fabulation. Ce ne sont que de simples mots que tu oublies presque aussitôt. Personnellement, je la vis mal, je ne supporte pas l'idée que je puisse me reprocher de n'avoir jamais rien tenté, pour toi ou pour nos deux enfants. Si elle juste si savait que pour vous trois j'irais, c'est sûr, sans hésiter, si elle tuait, que pour vous trois j'irais, c'est sûr, sans hésiter, si elle donnait ma propre vie, je te le jure, c'est tatoué à tout jamais sur la surface de mon cœur. C'est la même qui est gangrénée, vrai sentiment de colère, de honte, de culpabilité, c'est ma faute, je le reconnais. Je n'ai pas fait ce que j'aurais pu, et pour ça j'ai aucune excuse. J'avais pourtant autour de moi comme exemple d'excellents parents. J'ai plutôt fait ce que je voulais, au lieu de m'occuper de vous trois, tu ne m'as pas laissé le choix, même si parfois tu as raison. Et pas forcément, je le crois, envers moi de mauvaises intentions. Ça ne te donne pas tous les droits de censurer comme tu l'as fait. Ça n'aura que pour seul effet une absence totale de sang-froid. Double S. Allez, c'est ni. J'ai toujours préféré privilégier le dialogue. Au final, nos conversations sont du catch ou du MMA. Moi, j'ai vraiment l'impression, avec le temps, d'être un expert et passer maître. En plus, là, je me sens seul à essayer, seul à tenter de faire pousser sur la surface de ton cœur que j'ai moi-même tout abîmé. Quelques roses, mais c'est pas gagné. C'est comme fertiliser la lune en orbite autour de la terre et elle-même autour du soleil. Un peu comme moi, autour de toi, j'arrose une terre stérilisée et recouverte de récoltes. J'essaie vraiment de me racheter et sans arrêt, je me remets systématiquement en question. Je te demande encore une fois, pardonne-moi tout le manque. Moi, je ne souhaitais vraiment pas ça, malgré tous mes méfaits passés et à venir tant qu'on y est. Je regrette d'avoir échoué, j'espère vraiment que tu le sais. En attendant, moi je récolte finalement ce que j'ai semé. Mais s'il faut être deux, je crois, pour s'entendre ou se disputer. Mais s'il faut être deux, je crois, pour s'entendre ou se disputer. Mais s'il faut être deux, je crois, pour se détester ou s'aimer. Double S. Ah, il y a ce ni.